Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre série d'achat-revente Road to Marcelo Totti. Donc voilà les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais vous fixer un petit objectif de 10 likes dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher votre petit like les gars. Je vais envoyer cette vidéo aussi à des chaînes communautaires, donc en espérant qu'ils m'uploadent. S'ils m'uploadent pas la vidéo, c'est pas très grave. Donc voilà les gars. Donc voilà, on est parti pour l'achat-revente. Vous voyez que j'ai investi énormément en TechFut millionnaire. Donc là, je vais vous montrer quand je vais relister mes joueurs. Mais sinon, après dans la vidéo, je vais faire toujours avec les mêmes joueurs. Donc ça servira à rien de vous montrer. Je vais vous montrer que mes ventes. Donc pour parler un petit peu du prix du Marcelo Totti, vu que la TOTS est là, son prix a extrêmement chuté par rapport à avant. Il était à 300 000 crédits avant et là, il est à 240, 230. Et même en dessous, les Totti ont énormément baissé. Donc je sais pas c'est dû à quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous savez. Donc voilà, on reliste tous nos joueurs en TechFit millionnaire. Donc voilà, les mêmes Barzagli, Diego Alves, Walker, ensuite Pastore. Donc voilà, j'ai investi à un moment où il y avait beaucoup de packs. Des packs intéressants. Comme ça, le marché est bas. Et donc je pourrais prendre les joueurs à un très bas prix. Comme ça, dès que les joueurs réaugmenteront, et ça va se vendre beaucoup plus vite. Et donc voilà, après vous voyez, hein, c'est toujours les mêmes joueurs. Leno qu'on a remis, Buffon aussi qui marche bien, Bellarabi qui marche super bien, Baines que j'ai remis aussi qui marche bien, Ben Arfa pareil, Miranda j'ai fait un petit test, ça a marché, j'ai mis quelques relances mais ça a marché. Mangala pareil, Kedira c'est pareil. De toute façon les gars, comme d'habitude, je vous ai mis une liste de joueurs dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Donc je vous ai mis la vidéo explicative de la Tech Bronze, de la Tech Fut Millionnaire et je vous ai mis aussi une liste pour la Tech Fut Millionnaire. Donc voilà, ensuite on a du Carlos Vela, du Philippe Luis qui marche super bien. Philippe Luis franchement. Ensuite on a du El Shaarawy, du Shaqiri, du Cavani, du Zabaleta. On a du Rojo. Ensuite on a du Socrates, du Lukaku, du Payet qui marche bien, Payet. Ensuite du Entep, on a du Miralas qui marche très bien lui aussi, Navas, on a du Kyle, on a du Patrice Evra, on a du Coleman, on a du Firmino, on a du Fegouli, on a du Bravo et c'est tout. Donc voilà, on arrive à 30 ventes et à 104 000 crédits. On a vendu Falcao, Barzagli, enfin voilà, 30 joueurs quoi. Vous voyez tout ce que j'ai vendu à votre écran. Donc j'ai fait vraiment pas mal de ventes. Ça marche vraiment bien. L'achat-revente, tout ça, je les ai vendus en 4 ou 5 relistes on va dire. Donc voilà, on a encore fait des ventes là en TechFut millionnaire. Donc on en a fait vraiment pas mal. Il y a toujours les mêmes joueurs qui ressortent. Ça veut dire que il marche très bien. Exemple Falcao qui est déjà ressorti 2 fois. Donc voilà, on arrive à 23 ventes maintenant. Voilà, les mêmes joueurs, que de la TechFut millionnaire. J'ai fait un petit peu de Tech Bronze à côté pour me faire des mini bénéfices. Voilà, pour bien avancer. Ensuite, on arrive à 112 000 crédits. On va s'approcher lentement, mais sûrement du Marcelo Totti, excusez-moi. Donc voilà, on a vendu tous ces joueurs. On arrive à 15 ventes. Donc voilà, c'est bientôt la fin, les gars. 15 ventes. Buffon, Ruffier, Mertens. Voilà, toujours les mêmes joueurs. En TechFut millionnaire, on arrive à 27 ventes maintenant. Donc vous avez vu dans la boutique, il y avait un pack disponible. C'était le pack que eSport a mis. Il y avait un jeton draft dedans. Donc voilà, c'est pas pour pas vous dire, pour pas que vous disiez que j'ai triché. Non, c'est juste parce qu'il y a un jeton draft que eSport nous a envoyé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Je ferai la draft après ça. Donc voilà, on arrive enfin à 255 000 crédits et à 85 ventes. J'ai laissé vendre, hein, clairement. J'ai relisté pas mal de fois pendant 2-3 jours. Et tout s'est vendu. Donc voilà, tous les joueurs que j'avais listés se sont vendus. On arrive à 255 000 crédits. Le Marcelo Totti, il était entre 230 000 et 240 000 crédits. Donc on a fait un bénéfice de 95 000 crédits. On est parti de 160 000 crédits. On est arrivé à 255 000 crédits. Donc les gars, là ce qu'on va faire, il y a Marcelo Totti qui est à 237 000. Je vais le mettre sur mes objectifs. Je suis allé sur mon compte principal. On voit qu'on est à 1 300 000 et quelques. Donc je vais acheter des joueurs que je vais remettre à 10 000 pour transférer les crédits sur mon compte principal. Parce que le Marcelo Totti, bien évidemment, je le veux sur mon compte principal. Donc on a acheté des Traoré du PSG. Là, le Traoré carte bronze et des Udar de Arsenal qu'on va tous remettre à 850 000 et qu'on va racheter avec le compte Juro tout Marcelo Totti. Donc voilà, je vous ai mis les clips pour pas que vous dites que je triche.
Voilà, ensuite on va acheter les Udar 850, 10 000. Et on aura terminé de transférer les crédits. Voilà, et vous voyez que sur ma pile, hein, sur mon compte principal, j'ai les transferts, les joueurs achetés. Donc voilà, il y en a un à 230 000, Marcelo Totti. Je vais l'acheter. Voilà les gars, on arrive enfin à notre objectif. Le Marcelo Totti acheté à 230 000. Voilà, on a eu 20 000 crédits à peu près de bonus parce que on a eu 15 000 crédits de bonus parce qu'on est arrivé à 255 000 crédits sur notre compte du Marcelo Totti. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que cette série vous aura plu. Elle s'arrête là. Je vais bien évidemment en refaire une sur un autre joueur. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires un gros joueur hein, pour avoir un bel objectif. En tout cas les gars, j'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher le maximum de likes comme d'habitude. Et sinon moi je vous dis à la prochaine les gars pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao.